Donc par terre, il arrive. Tous ensemble. Castex, démission. Véran, démission. Véran, démission. Véran, démission. Go, C'est incroyable. Et après, c'est le jour de la Ça va? Ça va? Pas de soucis, merci. Ça va? salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va passer, à bientôt. Salut. Ça court, hein? Ouais, ça fait bien. Nous voulons chasser Macron, la Macronie, Véron, Castex et compagnie du pouvoir. C'est différent. Eux, ce sont des superfactieux, car ils veulent changer de course de civilisation. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Donc ce sont eux les factieux. Et nous allons, pour bien leur montrer que nous ne sommes pas factieux, nous allons faire une nouvelle fois le rituel du drapeau. C'est un rituel et nous nous protégeons derrière la symbolique du drapeau national et nous allons chanter la Marseillaise une fois de plus. Depuis 2 ans, je ne me suis jamais autant lavé les mains. c'est pas terrible, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, ils ont essayé de faire depuis 2 ans une chose beaucoup plus terrible, c'est de nous laver le cerveau. Et ce lavage-là, vous y avez résisté, nous y avons résisté, et ensemble, nous constituons la résistance. Nous tenons le haut du pavé, et c'est fondamental. Ils nous ont inculqué depuis 2 ans, et à nos compatriotes, ils ont inculqué des idées reçues, sans cesse et sans cesse, alors que nous, nous y opposions des idées vécues, des idées des gens qui nous sont proches. Il n'y a plus de bon sens dans un bus à 18 h le soir quand on rentre du travail que dans ce gouvernement de mafieux et de corrompus. Vous êtes la résistance et vous pouvez en être fiers. Leur dernière trouvaille, c'est après l'annonce de Castex le 21 janvier, c'est de sortir le 18 janvier une étude du Conseil d'analyse économique, CAE, un truc attaché directement au Premier ministre. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dans cette étude? Que le pass sanitaire, et puis maintenant le pass vaccinal, il a permis de sauver 4000 morts. Ce qui est complètement délirant. Et ce qui est un vrai foutage de gueule, c'est que dans ce comité soi-disant d'experts indépendants, vous trouvez des liens d'intérêt avec Pfizer, notamment. Ensuite, ils font une étude en considérant que s'il n'y avait pas eu de passe, il n'y aurait rien eu du tout. Alors ils en sortent bien sûr des choses positives, aucune contre-analyse, aucune expertise, rien. C'est totalement piloté par le service du Premier ministre. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est vraiment de l'embrouille pour continuer leur politique néfaste et pour asseoir leur pouvoir encore pendant 5 ans. Nous ne laisserons pas faire ça, car nous sommes la résistance, nous en sommes fiers. Résistance, 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 résistance. Est-ce que ça va la résistance? Cette dynamique qui ont sacré depuis maintenant plusieurs semaines est une joie à chaque manifestation. Nous voyons chaque semaine des personnes qui sont là